Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc après la chute du BTC, d'accord, bien sûr, forcément, je vais revenir sur une analyse éclair, rapide, d'accord, sur une analyse rapide sur les altcoins. Donc hop, ici on a eu cette chute-là, et ben hop, il est revenu sur ce niveau, mais il n'a pas pris la liquidité encore. Donc il va peut-être retracer comme je vous l'ai dit. Et après, on va aller chercher cet argent, voire plus bas. D'accord, je vous ai mis un graphe sans dessin, sans rien. Vous le voyez, là, regardez, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, retrace. D'accord? Là, on a quoi? D'accord, retracement. A, B, C. Montée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur cette partie-là. Ok, là, retracement. A, B, C. Ok, donc faites attention. Il peut venir chercher, comme on a dit, la liquidité ici. Celle des 39 000 dollars. La première serait bien sûr celle des 41. Celle des 39. Et après, c'est 37. D'accord? Et ici, on a un price delivery pour aller chercher ensuite les 28 000 dollars 800. Tranquille, on va y aller étape par étape. Vous inquiétez pas. Ça va pas être se faire tout de suite. Mais n'oubliez pas, gardez toujours des USDT, des stablecoins au chaud. On va revenir ici sur les altcoins. Donc, ADA. ADA, zone 2 ici. Après avoir fait ici BCARST, on est sur le saut ici. Donc on est sur une accumulation. Et là, il a fait un plus bas. On a pris la liquidité. Et là, ici, c'est pour ça que je vous dis, faites attention de marché. On a retesté ce niveau-là. D'accord? Il a pris juste la liquidité de ce niveau-là. Donc d'ici le point d'entrée, déjà pas mal déjà. Mais on peut aller chercher un tout petit peu plus bas encore sur ADA Cardano. ADA Cardano pour votre information. Ensuite, on va passer sur Algo vite fait. Donc Algo ici. Donc là, Algo, j'avais une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Et je l'attends un peu plus bas. Donc ce graphe est un peu compliqué. Voilà celui-ci. Donc j'ai une distribution qui se met en place sur Algo. Je vais me mettre en daily rapidement, comme ça sera plus facile. Voilà, donc là, hop, j'ai une distrib BCARST, saut, UT, UTAD, chute. On est revenu dans la boîte, on est sorti de la boîte, revenu dans la boîte. Ok, on est là. On peut faire une petite ici et enfoncer un peu plus bas pour aller chercher ce test où la liquidité est plus basse. Alice, je vais aller vite hein, par contre. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse éclair. Donc Alice, BCARST, j'attends qu'il descende plus bas dans la boîte verte ici pour pouvoir l'acheter. Ok. Dans cette boîte ici, entre 8,25 et 4 dollars, entre 4 et 7, on va dire. Allez, en 4 caractères 7. On passe ensuite à Atom. Atom qui nous a fait une belle performance, comme je l'attendais. Donc, il nous a fait une distrib BCARST saut. Il doit aller chercher, bien sûr, ATH, UT, UTAD, bien sûr. Il nous a fait une belle performance d'environ 120%. Après fait une accumulation ici et c'est pas encore fini. Il a une belle, encore un beau sommet à aller faire, à aller chercher en haut. Ensuite, j'ai quoi? Audius, est-ce que j'ai l'analyse audio face à l'USD. Face à l'USD, j'avais commencé, mais j'avais pas fini. Donc, je voulais la faire sans rien du tout. Donc, là, j'ai une hausse. D'accord? C'est sur le graphe de FTX. Une hausse, un retracement. A, B, C, donc B, C, A, R, S, T, saut. Là, hop, j'ai un retest du niveau, une redescente, et là, ici. Donc, on n'est pas parti chercher pour l'instant le sommet, on est en train de travailler le sommet. Possibilité d'un retour vers le bas, car on a eu ici une prise de liquidité, ici, ici. Donc, on a fait ça. Prise de liquidité, et on est parti. Donc, il peut venir retester ce niveau-là, le niveau des 0,80 dollars. Allez, on va dire 0,80 dollars. Avar. Donc Ava, donc il est toujours dans la zone ici de cumulation ici. Donc BCARST saut. Un point bas. Un deuxième point bas. Soit ici il part direct. Soit il fait un autre point bas avant de repartir. Ok. Mais de toute façon, on est en zone discount. Donc on peut acheter bien sûr Ava.
Ensuite, AVAX, 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 j'ai baissé ARST, saut. On est sur le saut ici. On a fait une poussée ici sur AVAX, sur AVA, excusez-moi, c'est pas AVAX, c'est AVA. Et on est revenu ici sur la zone ici de demande. On peut prendre la liquidité avant de partir. Ok, c'était le bon graphe. J'avais pas pris le bon graphe. Donc, AVAX. Donc, AVAX, ici, on est sur une distribution BCARST. So, on a fait ici une accumulation qui a emmené le prix ici vers le haut en faisant SC, ST, STB et on est parti. Ici, on a ajusté en A, B, C. Il peut revenir ici, retester la zone ici ou la prendre carrément et revenir en discount sous la barre des 74$. Prendre ici sous le 74$ et repartir aller chercher un nouvel ATH. Pour votre information, Axie Infinity. Donc, Axie Infinity, il est venu sur zone ici. On a ici une réaccumulation. BCAR, ST, SC. SC, j'avais mis tracé la continuité de tendance. On y est presque au 1,618. On a touché les 1,414. D'accord? Aujourd'hui. Voilà. Pour Axie Infinity, on avait un price delivery ici. N'oubliez pas ici. Montée verticale. Retour à la casa. OK? Donc, on revient ici dans la casa, dans la zone de demande qui est là. OK? Donc, on est là. On va checker avant de repartir. Donc, il y a un beau petit spot à prendre. D'accord? Sur Axie. Axie, Axie, Axie. S'il veut bien me le donner. Axie, si on fait le 1,618. Ici, on a 137%. On voit bien sûr plus, hein, mais je prends le minimum. 136%. Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge. Comme je vous ai fait l'analyse. Distrib, BCARST, saut. On est sur le saut ici. Il a fait une réaction haussière après avoir pris ici la liquidité ici, un retest et il est monté. Intention de marché montée, ne pas hésiter. On va revenir bien sûr dans la boîte avant de partir. Ne pas se précipiter. Bande. Bande USD. Donc on est sur zone acheteuse. Pour moi, il manque juste une dernière prise de liquidité ici. On doit passer sous le saut ici. Sous les 3. 33. Donc baisser. D'accord, BCARST, SO, UT, UTAD, il a fait sa belle distribution. Il a distribué derrière en ABC. Là, il est en fausse zone de neutralité en consolidation. Pour moi, on va assister à une dernière prise de liquidité entre ces deux barres jaunes, entre 3,33 et 1$, avant qu'il refasse un autre cycle haussier pour votre information. D'accord, avant qu'il reparte sur un autre cycle haussier. Donc, à surveiller, BAT, on a ici une distribution BCARSTSO. On a fait l'UT, l'UT, on est venu plonger ici. Et sur l'UT, j'ai une réaccu qui se met en place. Donc forcément, on est venu chercher ici SC. Cette mèche est venue chercher SC ici. Bien sûr, on va retravailler plus bas pour aller plus haut. OK? On doit retravailler en bas, on va retravailler ici. Faut pas attendre, faut l'attendre, faut pas être pressé. Il va retravailler là avant de s'envoler et partir. Je vais ajuster juste mon Fibonacci pour pas qu'il me gêne. Voilà, donc on a repéré ici par rapport à ce plus bas au démarrage du prix. Ici, la ligne des 50. Nous sommes en dessous de la ligne des 50, donc nous sommes en discount sur cette structure. Donc ici, zone de rechargement, on est venu chercher 78,6 ici. Donc ce qui a acheté du BAT ici, c'est pas mal. Mais c'était dur de le choper. Mais on n'oublie pas qu'on a un price delivery ici. Donc on peut tirer retour ici entre les 0,73 et 0,79. Ensuite, Bico, Bico, allez ici. Bico, est-ce que j'ai dans la liste de Bico? Non, moi je dois l'avoir faite, je crois. Ouais, c'est ça. Donc Bico, j'avais une hausse, un retracement, un ST. On est sur le saut. On est sur une distrib. D'accord? On est sur une zone d'accu. On peut aller chercher une performance. Il a fait un 1 plus bas ici. Et la performance ici pour aller chercher l'ATH serait de 550%. D'accord? Bien sûr, si vous n'êtes pas pressé sur Bico, vous pouvez le mettre en portefeuille. Entrer en DCA. On est en discount. D'accord? Bloctopia. Bloctopia, eh ben, il est sur une distribution BCAR. ST, saut, so, on descend ici, on est venu prendre l'argent de ça. On va checker ici la zone ici, on vient de la checker aujourd'hui. Regardez ici, clac, nickel, parfait. Donc ici, hop, on aura forcément une réaction haussière après une prise de liquidité à cet endroit-là. Ok, c'est ce qu'il est en train de faire. BNB,
BNB, comme je vous avais fait l'analyse, je vous avais dit ici, BCARST. Donc, on est sur une distribution pour l'instant. Pour l'instant, le ST n'est pas terminé parce que là, j'ai une distrib BCARST saut UT. Et forcément, j'ai eu un test UT et une descente ici. Possibilité qu'il n'y ait pas du TAB et qu'on reste en dessous du BC. Donc, ça donnerait une distribution. Ça donnerait BCARST et on irait chercher sous le AR ici, donc sous la zone des 211 dollars, qui validerait ici notre accumulation et la prise de liquidité pour valider le STB. Ok, voilà. En ce qui concerne les SC, STB, tout ça, renseignez-vous, regardez sur Google, c'est du week off, c'est des abréviations week off. Ok, c'est les max et tout, je vous laisse faire vos recherches. Cello. Cello, Cello, qui nous a fait une belle ici, montée ici. Quand tout le monde corrigeait, il nous a fait lui une belle montée. Il a été contre la tendance du Bitcoin. Et après là, il a retracé. Donc il a fait ici un sommet, un retracement. Donc BCARST. On n'a pas de plus haut. ST. Saut. On est sur le saut. Ici, descente, réaction haussière. On va l'attendre ici tranquillement. Au 2,7$. Au 1,618, au 2,7$, voire un peu plus bas ici, s'il nous vient prendre la liquidité en bas des 1,50$. CKB, 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 CKB. CKB, donc j'ai une hausse, un retracement, tac, bim. Un plus bas ici, une réaction, deux prises de liquidité, une et deux, donc forcément haussier, c'est normal. Donc attendre ici, si possible. Un retracement, mais on est en discount, d'accord. On reste en discount ici. On a fait une incursion premium discount, possibilité d'une redescente ici. Là, j'ai une réaccumulation en place. BCARST SC. Donc là, possibilité d'une accumulation qui se met en place ici. Voilà une accumulation. On va attendre une prise de liquidité dans cette boîte entre les deux zones de 0,018 et 0,013. Tac tac, comp, j'avais déjà fait déjà, mais je vais hop, on va revenir dessus rapidement. Est-ce que j'ai mon analyse? Oui, elle est là. Donc, on avait une hausse, un retracement, une hausse et un retracement. On est venu prendre l'argent ici. Tac, on est sur une bonne acheteuse. Il ne faut pas rien à dire. On peut revenir ici un peu plus bas, ici dans la zone des 123, 153, 123, 153. Ok, Coty. Coty, 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 Coty. Coty nous a fait une distribution avec un UT. Sur l'UT, nous a fait une réaccumulation. D'accord. J'attendrai qu'il vienne en haut prendre l'argent. Donc là, il est sur zone ici. Il doit aller titiller cette ligne jaune qui est à 0,2350. Venir la titiller ici 0,23 pour prendre l'argent pour repartir vers le haut. Il est pile poil sur la ligne des 50, donc sur la ligne des 50. Je ne fais rien, j'adore trader Coty, mais j'attends des bonnes zones pour le trader car j'aime bien. Il bouge beaucoup, il bouge vite, il n'y a pas de souci. CQT Covalent, donc là on est bientôt sur un gros spot, mais pour l'instant on l'attend. On attend qu'il vienne travailler vers le bas, d'accord? On l'attend, Covalent, on l'attend qu'il travaille vers le bas. CQT. Le croc, vous aimez le croc, vous adorez le croc. Moi, j'aime pas trop, hein. Sérieusement, graphique, pas terrible, terrible, terrible. Fonda, je trouve moyen cette plateforme, j'aime pas trop, moi. Je suis pas au top, donc celle-là, je vous la laisse. Crypto.com et celle-là, j'aime pas trop. Crypto.com ou le croc de crypto.com, donc c'est le token. Et l'autre, c'était, bon, j'ai oublié. Donc là, BCARST. Sous distribution UT, on doit ici redescendre sous la ligne des 0,27, 0,27 pour recharger ici, vu qu'on a une accélération haussière, un price delivery, une décharge pour repartir vers le haut. Voilà pour le CRO. CRV, donc CRV, on est sur une distribution. On a fait BCARST, sous UT, UA, UT, UTAD. Donc, il faut attendre qu'ils descendent, qu'ils reviennent faire ici, prendre l'argent ici, des 1,39$. D'accord? Casper, Casper a retracé un petit peu. On va regarder dans logarithmique. Je suis en log, ouais, en log, ouais. Donc, ici, Casper, donc une hausse. Il a fait ici un sommet ici, une prise de liquidité. Il a pris l'argent ici, j'ai mis ici.
Et il est retracé ici, donc on peut revenir sur zone. L'idéal, c'est qu'il revienne sur en dessous des 0,078. Donc on va dire 0,08. Pour mettre encore un portefeuille du Casper, j'en ai personnellement. Après, à voir vous, si vous en avez. Là, j'ai DAR, mais j'ai l'analyse et pour moi, le graphique n'est pas très propre. J'ai juste une différence de potentiel de 695% par rapport à. On va dire 700% par rapport au plus bas qui est réalisé ici et au sommet qui a été effectué. Mais le graphe n'est pas super propre. DCR, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, bien sûr. Décret, je l'avais déjà fait. Donc BCARST, saut. Ici, liquidité, un combat. Et on vient de prendre l'argent de tous ces niveaux-là. Donc on les a pris ici. On va rechecker la zone verte qui est entre 43$ et 66$. Ensuite, Dodo. Donc, Dodo, on est sur zone d'accu. Ok, avec prise de liquidité. Check ici de la prise de liquidité. On est sur une bonne zone acheteuse pour votre information. Et on est en full discount avec une performance de x9 à x10. Le dot, donc, toujours sur zone intéressante. Donc, l'attendre ici. Attendre qui. Travaille encore un peu, il a fait ici des prises de liquidité, le retest. Si vous voulez le mettre en portefeuille, il est un peu trop proche de la ligne des 50 pour ma part. J'attendrai une descente un tout petit peu plus basse. J'en ai en partie dans mon portefeuille. Voilà, mais j'attendrai EGLD avec une belle descente sur la zone des 1,618. Proche des 1,618, on a tapé. On est passé sous la barre des 200$ tout à l'heure à 199. Et je l'attends à 196 dans cette zone-là pour aller chercher le 1,618. Et là, on est sur une zone d'accumulation et on a fait une prise de liquidité ici. On a fait le STB, on a pris la liquidité du SC. Donc, elle ronde en zone discount sous la ligne des 50. Voilà, cette hausse-là, et ben hop, quand on monte vite, et ben on revient, hein, je vous ai dit. Hein. Retour à la casa, démarrage du prix, retour. À la casa, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à encaisser quand vous voyez une verticalité comme ça. Ok, Floki, donc Floki, il est sur zone acheteuse bientôt. Il est en train de faire le spring, donc il est sur zone acheteuse. Le Floki, si vous voulez mettre du Floki, si vous kiffez le Floki, vous pouvez le mettre en portefeuille si vous voulez. J'ai le flux qui est ici sur une réaccumulation BCARST. Donc j'attendrai une descente du flux beaucoup plus bas sur la zone des 0,70, 0,29 dans cette zone-là pour mettre du flux en portefeuille. J'aime bien son fondamental, donc je l'attendrai. Dès qu'il descendra, je rechargerai. D'accord? Je ne l'ai pas en portefeuille car je l'ai découvert un peu tardivement, mais je l'attendrai. L'analyse technique est bonne et je vais attendre qu'il vienne vers moi avant de rentrer en position dessus. Ok, ensuite j'ai quoi? J'ai Gala, donc Gala sur une distribution BCARST saut ici. Et on avait vu la mèche ici, la marché nous a donné une information et aujourd'hui on est venu chercher cette liquidité ici. Donc on a une prise de liquidité ici sur zone. On a encore ce gros price delay, ce gros déséquilibre de marché. Je le verrai bien enfoncer un peu plus bas au niveau du Gala GRT. Je sais que vous kiffez GRT, je vous ai dit patientez et regardez, les patients sont récompensés. On a fait une distribution BCARST saut UT et il est revenu ici sur cette belle zone des 0,63. On peut aller chercher plus bas encore, d'accord? Donc si vous êtes patient, vous pouvez reprendre, je pense, à 0,50, 0,48. Ok, H bar dit. Ici, on a fait une distribution, on a fait BC saut UT, retracement. On est revenu ici checker et on est redescendu ici, valider l'UT, donc UT validé. Ok, à mon avis, ici, on va repartir vers le haut pour faire UTAD ou retest UT. Et on a fait ici un plus bas, mais on n'a pas pris la liquidité, donc on va l'attendre encore un petit peu plus. Il est sur la zone des 50. Moi, personnellement, je ne fais rien sur la zone des 50. ICP, je sais que vous kiffez ICP. Donc ICP, super zone acheteuse. J'ai même mis, hop, la petite fusée ici. D'accord, ici sur les 20$, il a pris 3 fois la liquidité. Il est sur zone d'accu. Ok, c'est parfait pour qu'il puisse partir vers le haut.
Voilà, on finit pour ICP. Je vous ferai une autre vidéo éclair, analyse éclair prochainement demain. Ok, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et force à vous tous, la famille. Salut à tous, ciao ciao.